Oh la gueule! Mais il fait une gueule! Mais il est trop flippant! Oh la tête! Regardez la tête qu'il fait! Yo tout le monde, c'est Kiara, j'espère que vous allez bien les potes, et comme vous l'avez vu dans le titre d'aujourd'hui, nous retrouvons sur Little Friends Dog and Cats. Et oui, vous avez été nombreux en fait, l'épisode vous a grave plu. Je me suis dit peut-être que ça va pas vous plaire plus que ça, et c'est pas grave, je continuerai de mon côté à farmer, ça ne m'empêche en rien. Et du coup, en fait non, vous avez été grave nombreux, vous avez été là, vous avez été en plus hyper présents. Oh, attendez, j'ai une lettre. Tu peux obtenir des tampons de récompense en t'occupant bien de tes amis, je t'ai donc pris ça pour t'aider. Bon courage, bisous papa. Eh, oh il est pas bien, Drogon, il est pas bien, j'ai un petit peu joué sans vous les amis, c'est vrai, j'ai peut-être un petit peu joué sans vous. Bon, j'ai peut-être légèrement donné à manger, fait quelques concours avec Drogon, mais c'est rien parce que vous allez comprendre pourquoi vous allez m'aimer, vous allez comprendre pourquoi les amis, si vous ne m'aimiez pas encore, là ça va être le cas, puisque du coup j'ai débloqué les chats. Eh oui, c'est moi, j'ai débloqué les chats du coup les potes. Donc ce que je vais faire sans plus tarder, je vais donner peut-être un petit peu à bouffer à Drogon, un petit peu à boire, et puis après on ira checker les chats, et pourquoi pas avoir même un chat. Je sais pas combien de races sont disponibles, mais on l'a débloqué, c'est le plus important. Donc on va le découvrir ensemble. Là, voilà, on est sur un suspense. Il est empaillé le chat? Attendez, non, je suis méchante. Rencontrer des amis, c'est parti, on va voir. On va voir ce qui est disponible. Recherche d'amis, c'est parti. Oh, on a que trois races. Chat japonais, Scottish Fold et American Short Hair. Ok. Alors déjà juste comme ça, alors après alors attendez, juste comme ça en regardant, ils se ressemblent à mort en fait. Genre le chat japonais et le American Short Hair, ils ont la même gueule, sauf que les oreilles ne sont pas inclinées de la même façon et les yeux sont pas pareils. Sinon ils ont la même gueule. Et lui il a l'air d'être sympa le Scottish, on va regarder ce que ça va donner. Bah tout le monde se barre. On peut même pas les voir, on va confirmer, on va voir. Oh alors là... Ah ils sont horribles. C'est ça? Ah non mais là... Ah, attendez, là je veux pas être méchante. Mais est-ce qu'on est d'accord qu'ils sont moches? Non attendez, il y a un truc qui merde là. On va faire suivant, c'est peut-être le ce groupe là qui merdait. Ah, c'est peut-être mieux là. Mais en fait quand tu regardes là ça va, mais quand tu regardes la tête ça va pas. Lui ça va. Mais en fait, c'est bizarre. On dirait vraiment que le motion design... Vous savez, on a appliqué juste un... Vous savez, on dirait ses premiers motion capture, genre à la L.A. Noire. Vous savez, où le visage est plaqué contre, mais après, ils n'ont pas spécialement d'expression. Bah là, c'est ce que j'ai l'impression qu'en fait, voilà, ils n'ont pas spécialement d'expression. Si, on peut partir sur celui-là, mais il faut lui mettre un chapeau. Vous savez quoi? On va partir sur celui-là. M.L.O. Allez. On va le confirmer, on va partir sur celui-ci. On peut l'appeler Viserion à la limite, et puis ça sera très bien. Du coup, bah, allez, c'est parti, on emmène Viserion avec nous à la maison. Et on va voir ce que ça va donner avec Viserion. Bah alors, du coup, vu quoi, je me demande, le chat, je suis sûr, ou pas. Ah, baguette pour chat est désormais disponible. Donc on va voir ce que ça va donner. Boutique d'aliments, nouveaux produits en stock, nourriture pour chat. Thème de la maison, nouveau thème a été ajouté. Ah, c'est juste ça? Non. C'est juste ça? Ah ok. Dites-moi qu'on peut l'habiller. Okay, donc en fait, c'est le... Alors attendez, si je dis pas de conneries en gros, c'est le chien qui débloque tout. C'est le chien qui, grâce au concours, grâce au ceci, cela, débloque tout en fait. On peut lui mettre un chapeau. Oh là là, ça serait le feu. On peut le cacher. Je suis Rick. I'm Rick Grims. Oh là là. Attendez. Ah, il est encore plus beau. Ah putain. Je suis en train de regarder ce qui est disponible. C'est incroyable. Ah bah voilà, regardez, il sera déjà plus mignon. Ouais, je suis un peu déçue par rapport au chat. Par rapport à la personnalisation vis-à-vis du chat. Je suis un peu déçue. Je sais pas, je trouve pas ça fameux. Je trouve pas ça ouf en fait. On va juste lui mettre une paire de lunettes en cœur. Ah, c'est incroyable. Ça cache bien les yeux, là. Là, on est pas mal. Là, d'accord. Là, ça va mieux. Là, effectivement, ça va mieux. Et j'ai vu qu'on pouvait acheter un sweat.
J'ai envie d'acheter un sweat à Drogon. Ah, et du coup, j'imagine que dans la boutique, maintenant, on peut acheter des jouets pour les chats. J'imagine qu'on peut. Ah, et puis même peut-être des arbres à chats, ce genre de choses. On va regarder ça après, du coup. Je pense qu'on peut peut-être acheter des arbres à chats, à moins qu'il faut encore attendre que ça soit débloqué. Ouh, celui-là, il est badass. Ah si, celui-là, j'aime trop. Allez, on dépense. C'est fait pour être dépensé, de toute façon. Donc, hop, on dépense. On va dire à... Comment il s'appelle ? Drogon. On va l'habiller Drogon. On va lui mettre des beaux vêtements. Magnifique. Et le chat, on peut juste jouer avec lui comme ça, c'est tout. Ah, je suis déçue par rapport au chat. Ah ouais, par rapport au chat, je suis déçue. Je le dis, je suis déçue. Je suis déception. On va regarder au niveau de la boutique, du coup, ce qu'on peut acheter. Alors, boutique. Ah d'accord, on peut pas. On a débloqué des nouvelles balles, du coup, qui font du bruit et tout. Mais comment je fais, en fait, maintenant Je vais essayer de faire level up Drogon à la limite. Il est trop mignon. Je vais sauvegarder. Oui. Mais je, en fait, par rapport au chat, on est bloqué comme jamais. On est bloqué comme jamais. On va promener Drogon. Mais par rapport au chat, en fait, à part... Oh, je suis tellement déçue. À part pouvoir jouer avec lui, finalement, avec, vous savez, le petit truc, là, comment on appelle ça, la baguette. À part jouer avec lui avec la baguette... Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, finalement? Bah, que dalle. Merde. Bah, j'ai pas level up pour autant, vous voyez. Ah, j'ai pas level up pour autant. J'espère que ça va bien me faire prendre des points, quand même. À la limite, on lui fera faire des concours, mais je suis pas sûre que les concours t'y gagnent réellement. En termes de monnaie, bien évidemment, tu gagnes. Bah alors, après, en termes de leveling, je crois que tu gagnes pas plus que ça, finalement. On va voir, on va checker, mais n'hésitez pas les potes à me donner vos avis dans les commentaires justement, qu'est-ce que vous pensez des chats et du jeu, puisque en fait, finalement, admettons, hein, si s'il n'y a pas plus de choses que ça qui se débloquent là par la suite, bah on va vite être coincé en fait, on va vite être coincé, l'aventure va très vite se terminer, du moins du côté YouTube, hein, parce qu'on aura peut-être, on aura pas beaucoup finalement de contenu à présenter. On n'aura pas beaucoup de choses à présenter. Moi, le but, c'est de vous proposer du contenu et pas vous proposer du contenu vide, en fait. Donc, mais j'ai l'impression qu'il y avait vraiment plus... Après, quand on jouait à Nintendogs, on était beaucoup plus jeunes aussi. Donc, peut-être que vis-à-vis de nous aussi, on avait beaucoup plus d'interactions à faire. C'est possible. Après, faut pas oublier aussi qu'on avait d'autres interactions, comme le fait de lui apprendre des tours. Là, les tours s'apprennent tout seuls, finalement. Quand on fait des événements avec notre animal, bah finalement, les tours s'apprennent comme ça. Grâce aux promenades et tout, c'est comme ça que ça va s'apprendre. Après, on avait aussi les sauts d'obstacles. Ça, c'était aussi un truc, ça, pendant les concours, qu'on n'a plus maintenant, les sauts d'obstacles. Alors, ça va peut-être se débloquer... Peut-être qu'une fois... Ah, alors, attendez, je viens de penser à un truc. Ce qui serait top. Franchement, s'ils nous ont fait ça, là, c'est top. Je voudrais me dire peut-être que quand on aura fini tous les concours de disques, bah là on passera cette fois-ci au saut d'obstacle. Et quand on aura fini les sauts d'obstacle, on aura peut-être un nouveau truc. Après peut-être que je me fais des films. A voir. On va voir. Au pire après on fera le. On va faire après au pire un concours. On verra ce que ça donnera. Pendant le concours. Mais Ah ouais, je suis un peu sur ma faim. Je suis un peu sur ma faim. On verra, on verra. On verra bien, mais bon. Vas-y, viens, viens, viens. Écart de conduite, ça va pas? Eh oh, Drogon, qu'est-ce que tu me fais? Recherche. Bah, du coup, c'est le dernier ballon là-bas. Mais on n'a pas level up. Moi, il me faudrait du level up, là. Yeah! Magasin de mobilier, nouveau produit en stock. Ok. Oh, j'espère qu'on a vraiment des choses hein, de dispo. Ce serait vraiment con, sinon. Ah! Donc, une panière. Une caisse en carton, hein. Et un arbre à chat. C'est tout. Bon, on va acheter un arbre à chat. On va acheter une caisse en carton, hein, vu que les chats les adorent. Après... On peut acheter ça aussi, mais bon, acheter pour acheter, voilà. C'est tout ce qu'on a. On va déposer les meubles. On va déposer les meubles et on va voir. Du coup, on va déposer l'arbre à chat. Placer un élément de mobilier. Ah, on peut mettre un autre élément? Ah non, pas du tout. Ça vire automatiquement l'autre élément. Là, on va mettre l'arbre à chat. Mais ça prend tellement de place.
Ouais. Je trouve que ça fait très vite fouillis, je sais pas vous, mais... Mais c'est quoi là-bas? Ah, c'est la litière. Enfin, je pense. C'est bizarre comment c'est placé. Écoutez, j'ai mis, hein. Le carton et l'arbre à chat. Lucien, il est comment? Bah, il est pas mal. Avec ses lunettes, il est pas mal. Il a une gueule. Oh, la gueule! Mais il fait une gueule! Oh, mais il est trop flippant! Oh, la tête! Regardez la tête qu'il fait! C'est quand je fais là, il aime pas, je crois. Oh, bon, les amis, après plusieurs tests, hein, plusieurs essais, non, j'ai pas réussi tout simplement à faire la dernière ligue compétition maître. J'ai pas réussi. C'est pas passé, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre l'algorithme. Sachant qu'en fait, tu peux pas entraîner ton chien plus que ça, en fait, au frisbee. Il a pas de compétences, en fait, que tu peux augmenter ou ce genre de choses. Donc, j'arrive pas trop à comprendre comment win le truc. J'ai l'impression que c'est un peu random, hein, pour le coup. Donc, n'hésitez pas, du coup, les potes, dans les commentaires, à me donner vos avis sur le jeu, notamment sur le chat. Sur le chat, j'ai envie de savoir votre avis. Moi, j'ai juste l'impression qu'on dirait un chat empaillé. Donc, en attendant, merci infiniment à tous ceux qui me suivent sur ma page YouTube. N'hésitez pas à follow les réseaux sociaux qui sont listés juste en dessous. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à cette semaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, mon petit Michel, hein, n'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est très important. Et sur Twitch aussi. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Ciao!